بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour. Nous allons étudier deux versets du chapitre Al-Baqarah, le cas, la vache. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Bon, il t'interroge à propos de plusieurs choses. Il y a plusieurs versets qui sont dans ce sens-là. يسألونك عن الميسر عن الحي يسألونك عن كذا كذا قل donc dis-leur, c'est-à-dire la réponse sera divine. قل يسألونك عن الخمر والميسر à propos de tous les vins et de tout ce qui est jeu de hasard, par exemple la loterie actuellement. Donc يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير, c'est-à-dire au sein de ces comportements-là, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de mauvaises fins. Donc, pour le film, Ethmon Kabir, donc c'est gros comme gaffe, mais il y a certains effets bien faits, mais comparé aux méfaits, ça ne tient pas la route. Donc, il vaut mieux apprendre de Dieu que ces deux choses-là, il ne faut pas les approcher. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويكون الإسلام il est réaliste. Il dit qu'il y a du positif et du négatif en toute chose, mais toujours il fait la comparaison pour que notre choix soit le meilleur. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون, c'est-à-dire ils te demandent qu'est-ce qu'ils doivent comment dirais-je dépenser, comment ils vont comment dirais-je aider les gens, etc. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو, c'est-à-dire faites des dons, faites de la charité en ce qui concerne ce qui excède vos besoins, c'est-à-dire les vrais besoins, pas les faux besoins, sinon ce sera la catastrophe comme maintenant. Tout le monde il est presque comme addict au shopping, aux dépenses superflues, etc. Et j'ai mis en garde ces gens-là parce qu'ils sont des gens qui souffrent et ils le cachent, ils le camouflent, mais la souffrance-là, elle est après suivie par un châtiment divin ici-bas et de l'au-delà. Oui, l'islam, il est le socialisme pur et dur, si on peut dire le dire de cette façon-là. قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات, et toujours Dieu vous met au clair tout ce qui est versé, il vous explique, que ce soit à travers le Coran, parce que le Coran explique le Coran, et puis le prophète il est venu, parmi ses missions, il y a l'explication, que la paix d'Allah soit sur tous les points. قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Et comme ça, lorsque vous recevez comme il faut les signaux, les signes et les tokens en anglais, vous allez vraiment avoir une chance pour penser dans le droit chemin, pour penser d'une façon objective et positive. لعلكم تتفكرون. Voilà, le verset se termine لعلكم تتفكرون. Pour insister que l'islam appelle à la bonne réflexion et aux bons arguments et aux bons raisonnements et à l'entendement le plus efficace et le plus conscient. Mais Dieu, pour insister, il ajoute dans le verset suivant, c'est-à-dire votre pensée sera continue, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà ou dans la vie ismique. ويسألونك عن اليتامى. Vous voyez qu'il y a toujours la réflexion, ويسألونك, c'est-à-dire, je demande des explications, des éclaircissements.
Oui, ça, donc, à propos, il vous demande comment dire, des informations à propos des orphelins. Vous voyez que l'islam, il est venu pour soutenir les orphelins. Et n'oubliez pas que le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, il est un orphelin de type bien particulier parce que il est né orphelin du père. Puis il a été orphelin de sa mère et de son grand-père. Pour le cela, c'est-à-dire, faites que leurs besoins soient satisfaits, que leurs affaires soient bien résolues, etc. Pour le cela, et si vous avez comment dirais-je, une affaire quelconque qui les met en relation avec vous, c'est-à-dire en relation quotidienne, faire quoi le comité comme des frères. Vous voyez que la chose fraternelle, elle est de grande valeur en islam. Alors que maintenant, même s'il y a des associations qui veulent faire du bien aux orphelins, elle n'est pas au niveau de la fraternité. Vous voyez que nous sommes des gens en carence et comment dire, et en ignorance à propos de ces gens-là qui souffrent beaucoup. Donc maintenant, ils souffrent et comment dirais-je, ils ferment leur bouche, ils ne disent pas ce qu'ils ont en vérité comme douleur, comme souffrance. Et sachez bien que Dieu, il fait la distinction la plus absolue entre ceux qui sèment le mal, qui sèment la corruption, c'est-à-dire les transgresseurs et les arrogants et les menteurs. Alors que les réformateurs sont bien, comme on le reçu, de la part de Dieu. Et si Dieu veut vous faire une vie très dure, il le ferait. Et soyez toujours sûr que Dieu, il est Aziz, c'est-à-dire le plus grand, il est toujours le gagnant, il est toujours le victorieux, toujours le maître. Hakim, sage, wassalamu alaykum.